Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ce que nous allons découvrir ici, vraiment, c'est choquant, c'est bizarre. Mais ce sont des choses qui apparaissent sur les réseaux sociaux et nous avons envie de vous donner notre point de vue. Depuis la disparition de cette star, beaucoup de choses se passent. Les gens parlent de beaucoup de trucs, les gens font des révélations. Et là, on nous dit que c'est sa mère, sa propre mère, qui a juste fait un enregistrement, peut-être quelques temps avant ou après sa mort, on ne sait pas précisément quand, mais ces enregistrements-là sont tombés dans la main des gens. Et sur Internet, les gens sont en train d'en parler. Ce qui est étrange, c'est que dans ces enregistrements, on voit qu'elle parle dans sa colère. Vous savez, souvent en Afrique, quand les mamans sont en colère, elles peuvent dire tout et tout. Mais le problème, c'est que quand on arrive au point où on prononce de mauvaises paroles sur son fils, là, ça devient vraiment dangereux, même inquiétant. Quels que soient les problèmes que vous avez avec vos enfants, faites tout pour ne pas proférer de telles choses. Avant d'aller plus loin, de dire quoi que ce soit, vous allez écouter jusqu'à la fin. C'est parti. Pour faire passer le message, les gens vont entendre qui est Ange Didier. Un menteur, un manipuleur. Il y a un secret entre nous, je vais faire sortir ça bientôt. Elle dit qu'il y a un secret entre elle et son fils et elle compte faire sortir le secret bientôt. Quel est ce secret au juste? Bon. Il peut pas me tuer. Et elle dit qu'il ne peut pas me tuer. Ah! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on parle de mort? Est-ce que c'est un problème d'ordre spirituel? Peut-être. Seuls les deux le savent. Il ne pourra pas me tuer. Il n'a qu'à aller redresser les yeux de son enfant qu'il a fait quand même. À force de se moquer des enfants des gens, exposer le pauvre bébé sur YouTube, il n'a qu'à bien regarder sa fille louche. Il n'a qu'à bien la regarder. Et là, c'est grave. Même l'enfant, mec, qui n'a rien fait entrer dans la sauce, c'est que vraiment, sans doute, elle était vraiment très en colère. Coloris qu'il soit, maudit qu'il soit. Un affamé, superbe gawa. Ça l'a surpris. L'argent, c'est pour lui, c'est pour Dieu. Connerie qu'il soit. Le jour, j'ai eu mal au ventre pour lui, je l'ai accouché seul, je maudis ce jour-là. Oh! Waouh. Vous avez entendu ça? Une mère qui va vraiment maudire le jour où elle a accouché son enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Quel était? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que quel que soit le problème qu'une mère a avec son enfant, elle ne doit pas maudire ce jour-ci? Réagissez dans la partie commentaire, nous sommes dans la chat. Réagissez. Je maudis ce jour-là, moi, Valentine. Je maudis ce jour-là. Si vous n'êtes pas content, faites passer la vidéo. Faut faire passer le message. Les gens vont entendre qui est Ange Didier. Un menteur, un manipuleur. Vous avez tous suivi ce que... Vous avez entendu ça? C'est un truc vraiment hors du commun. Ce sont des trucs vraiment hors du commun. C'est vraiment triste. Si vous voulez écouter la suite, ne vous inquiétez pas, ça va apparaître dans peu de temps. Et nous allons découvrir ces choses encore. Le monde, c'est des damnés qui vont se tuer, mais ils vont payer tous. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles avec le diable. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles avec le diable. Se tuer, mais ils vont payer tous. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles avec le diable. D'accord, bien regarder sa fille là. Enfant de Carmen Diantra là. Con pourri là. Mon Dieu. Pourquoi dans la colère les gens pour faire des gros mots comme ça? Hein? Mais frère, c'est vraiment... Je suis désolé, hein? Je suis vraiment désolé. Je n'aime pas tellement entendre des trucs pareils. T'as bien regardé l'œil de l'enfant. T'as bien regardé, c'est dommage. Ma jolie petite fille. Il m'a privé de ma petite fille. Ange Didier. On paye si bas. Sa méchanceté, c'est avec moi, Valentine. Moi, m'entends normalement, on lui paye, moi. Je lui dis merci, beau. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère, Sanou Madeleine, qui l'a purgée, qui l'a lavée, qui a fait de lui
quand il était malade, moi, ma famille, hypnotique. Hypnotique, c'est, je pense, le bar que Sestala venait d'ouvrir avant sa disparition. Tout va s'écrouler sur lui un matin. J'espère que vous n'allez pas quitter là. Tout va s'écrouler sur lui à partir d'aujourd'hui là. Hein? Hein? Vous avez entendu ça? Attendez, revenons juste un peu en arrière. S'écrouler sur lui un matin. Quand il était malade, moi, ma famille. Hypnotique. Tout va s'écrouler sur lui un matin. J'espère que vous n'allez pas quitter là. Tout va s'écrouler sur lui à partir d'aujourd'hui là. Hein? Vous avez entendu ça? Elle a dit à partir d'aujourd'hui là. Tout va s'écrouler sur lui un matin à partir d'aujourd'hui là. Ah, mes frères et sœurs, hypnotique, c'est le bas de ses stars. Elle a créé le bas il n'y a même pas très longtemps, avant même sa disparition. Et regardez, vous voyez, les parents ont quand même de pouvoir dans leur bouche. Hein. Elle a juste dit des trucs comme ça, sans doute de la colère, quelque chose sans doute l'a poussé à parler ainsi. Si tout était en règle chez elle, elle ne parlerait pas ainsi quand même. Hein. Sans doute, il y a un truc que l'enfant a fait, mais ça ne l'a pas plu, elle n'a pas pu digérer. Vous voyez, non? C'est possible, faut pas trop juger les gens sans les avoir écoutés eux-mêmes. Mais ce qu'elle a dit, c'est quand même des effets. Hé, hey, ça me fait tellement bizarre, ça m'inquiète un peu. La maman, dites tes bonnes paroles, la parole est bénédiction sur vos enfants. Maintenant les enfants, vous aussi cherchez la bénédiction de vos parents, ne les irritez pas. Hein? Dix d'or, n'importe quoi. Artiste de basse classe. Connerie qu'il est. Connerie. Une espèce de serpent varan. Elles sont Olo Kwachala. Celui dont vient de dire le nom, c'est l'un des amis intimes à ce star. Une espèce d'enfant de pauvre chien d'égout. What? Tes parents sales là. Moi, j'ai ouvert mon compte pour mettre un enfant au monde. C'est des Daniels qui vont se tuer, mais ils vont payer tout. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles le diable. Comme je... Vous avez vu ça? Vraiment, c'est vraiment hors du commun. Hein? C'est vraiment hors du commun. Les gens ont la facilité de faire sortir des mots grossiers, grossiers, grossiers. Vraiment, c'est désagréable à entendre. C'est vraiment étrange. Cesta a disparu. Les gens se posent des questions sur mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a disparu? Et les gens pensent que sans doute les paroles, bon, ces paroles de sa mère ont eu de l'influence sur ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, faut pas négliger que Dieu nous a donné un père, Dieu nous a donné une mère. Il faut les respecter dans toutes les dimensions, quoi. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, il faut juste la respecter. Si elle te demande un truc, que Dieu te guide. Mais il faut tout faire, tout en toute sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux au point où sa mère a eu à ce niveau-là? Ah! C'était parce que il y a un truc spirituel, d'autres spirituels, genre comme un combat spirituel qui a eu lieu. C'est pourquoi c'est d'amener à parler ici sur le terrain. Et elle a parlé de pacte avec le diable. Elle dit que quand on fait un pacte avec le diable, on brûle avec le diable. C'est étrange ici. Peut-être que elle voyait son fils comme le diable et ses amis comme des gens qui viennent baptiser. Qui sait? J'aimerais aussi bien savoir ça. Mais c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Nous avons fait cette vidéo. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Et ne manquez pas de regarder l'autre vidéo qui va s'afficher ici. Hier, nous avons fait une vidéo de ce genre et un homme a essayé de réagir sur tout ça. Et vous allez aussi l'écouter, vous serez même surpris par ce qu'il va même dire. Il va même donner des révélations aussi. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à y aller?
C'est parti. Regardez la vidéo qui va s'afficher sur l'écran ici maintenant. Sans doute, elle est déjà là. Cliquez là-dessus et regardez-la maintenant. C'est parti.